Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici on va voir, alors j'avais parlé il y a quelques temps dans un article comment écrire du contenu à l'aide de Dragon Speaken. Si vous n'avez pas ce logiciel là, par contre il va falloir, si vous faites du contenu et une mauvaise frappe au clavier, vous entraînez. Donc pour ça je vous ai dégoté un logiciel, enfin c'est pas un logiciel, c'est un site en ligne qui permet tout simplement de vous entraîner pour la saisie sur le clavier, de manière à améliorer votre vitesse et ainsi produire plus de contenu et surtout du contenu plus rapidement. Donc quand vous êtes sur le site, vous avez plusieurs possibilités. Donc vous voyez ici, je suis en français et j'ai paramétré mon blog. Vous voyez, donc j'ai du texte. Vous pourriez facilement prendre du texte aléatoire, texte personnalisé, et donc là on est sur mon blog. Donc le but, c'est tout simplement de taper le plus rapidement possible sur votre clavier le texte qui est affiché ici, et ensuite le programme va vous expliquer les erreurs que vous avez effectuées sur le clavier. Donc on va faire par exemple une démo comme ça. Je tape, donc on verra les résultats après de ce qui va se produire. Alors moi c'est sûr, je suis pas très rapide au clavier, voilà. Donc vous faites votre exercice comme ceci, voilà. Vous voyez, par exemple j'ai pas tapé 2. Il me demande sans doute, voilà, de taper sur la touche du haut. Point. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il manque le E. Regardez ça. Vous vous entendez en même temps. Voilà, donc il analyse. Et là, principalement, vous voyez, il m'indique mes erreurs. Donc voilà, c'est ce logiciel en ligne, vraiment très pratique pour pouvoir vous entraîner. Donc vitesse, vous voyez d'ailleurs, vitesse 0,24, erreur 14. Donc si on fait un graphique, on voit qu'il y a pas mal d'erreurs. Donc on va revenir à l'accueil. Donc vous avez, je le répète, la possibilité de venir dans du texte personnalisé. Donc là vous pouvez par exemple coller du texte que vous avez sous Word et vous entraîner ainsi à taper, ou alors un texte aléatoire. Voilà, donc là, texte aléatoire niveau 3, donc c'est vraiment très très intéressant pour vous entraîner sur la saisie du clavier et ainsi améliorer votre frappe et produire beaucoup plus de contenu et surtout plus rapidement, puisque c'est le but en tant que blogueur de produire du contenu et du contenu et du contenu. Et plus vous allez vous familiariser avec le clavier, plus vous pourrez taper rapidement et ainsi produire du contenu plus rapide. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, surtout pour ceux qui sont pas très à l'aise avec un clavier, ça va les aider tout simplement à pouvoir s'améliorer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.